Et les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour la tournée des boss, donc épisode numéro 3. Dans ce troisième épisode du... Putain. Et les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ça me ferait un très très grand plaisir. Je vous remercie par avance. Autre chose, du coup, nous commençons le troisième épisode de la tournée des boss, donc on est parti. Le troisième boss ne sera d'autre qu'un Gumos qui se trouve juste ici sur la map. Donc vous avez juste à l'affronter, juste au milieu, il est là. Donc lui on l'a pas encore, oh, je l'ai déjà fait, mais en vidéo je l'ai pas fait encore. Je vais juste rappeler mon lui parce qu'il est beaucoup trop fort. Hop là. Ok. Et on va essayer d'avoir avec une serre, je pense que ça devrait suffire. 38% normalement c'est let's go. Allez, let's go. Et bah voilà, et tu dois avoir un coffre. Il doit avoir un coffre quelque part à lui. Oh là. Oh oui, un coffre. Je l'ai vu, je l'ai vu. Hop, et une capture en plus, du coup ça fait 3 boss de fait. On est plutôt pas mal, on a bien avancé sur tout ce qu'on avait à faire en termes de boss. Hop, et on va même récupérer la statue de Limfunk en même temps. En tout cas les gars, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo où on bat encore des boss. Le prochain, je sais pas qui ce sera, je pense que je vais rester vers le bas, je vais faire Bon Chéri. Lunaris, je vais essayer, si je vous promets rien, ça va risquer d'être un peu plus dur, j'ai peut-être pas de niveau. Bushi, je vais le refaire. Et après, je vais peut-être partir un peu plus vers le haut où des boss un peu plus à ma portée sont là. Donc on verra, on verra. Donc voilà la map que j'ai découvert pour l'instant. J'ai fait beaucoup là-bas parce que c'est là où je récupère toutes les terrasphères, les gigasphères et tout. Ça c'est vraiment un bon endroit si vous commencez le jeu et vous voulez avoir des bonnes sphères. Vous avez vu, ça va avoir une tenue réfrigérante et chauffante. Et vous êtes bien. Et vous êtes très très bien. Et voilà les gars, merci d'avoir suivi. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager. Allez, ciao.